Dibreka Guinée, Dibreka Funiké, Dibreka Kuntigi. Ngora nyaka nyaka li kifany. Anandi, Anandi. Je voudrais commencer par remercier la fédération UFDG de Dibreka qui a offert d'organiser ce meeting dans l'enceinte du siège de l'UDG de l'Elhadj Mamadou Sylla. Je voudrais exprimer la reconnaissance de l'opposition républicaine à l'UDG et à son président pour avoir offert ce siège pour accueillir notre dernier meeting avant la série des marches pacifiques que nous avons décidé d'organiser. Cette mobilisation confirme que les Guinéens sont mobilisés aujourd'hui, sont déterminés, voulais-je dire, pour dire à Alpha Condé qu'on est fatigué du chômage, de la misère, de l'insalubrité, de l'insécurité, du non-respect de la parole donnée, du non-respect des lois de la République. Notre peuple souffre de malnutrition, de faim, d'injustice, de discrimination. On est en train de compromettre l'avenir de la jeunesse en aggravant le sous-emploi au lieu de mener des politiques publiques susceptibles de créer pour cette jeunesse de l'espoir, de l'emploi. Je vous ai dit que la Guinée est en train d'exporter des emplois en ayant renoncé à la construction d'usines d'alumine sur le littoral comme cela a été prévu au début des années 2000 par le gouvernement du général Lansana Conté. Ils ont décidé de renoncer à la construction des usines d'alumine alors que nous avions dans les conventions des engagements fermes des multinationales de transformer notre bauxite en alumine sur notre propre sol. Tous les gouvernements responsables à travers le monde, comme l'Indonésie, la Malaisie, ont décidé de mettre un terme à l'exportation de la bauxite brute pour la transformer sur leur propre sol afin d'offrir à leur jeunesse des emplois décents. C'est au même moment que le gouvernement apporte des amendements dans les conventions qu'on avait signées au début des années 2000, libérant complètement les multinationales de leur obligation de transformer notre bauxite sur place. Aujourd'hui, l'objectif de M. Alpha Condé, c'est d'atteindre 70 millions de tonnes de bauxite exportées. Si celle-ci était transformée sur place, c'était 100 000 emplois. 35 fois FRIA. Sur le littoral, imaginez 100 000 emplois pour la jeunesse de Guinée. On a renoncé ça, c'est irresponsable. Il faut les dénoncer. Lorsqu'on vous dit que le développement dépend de la qualité des politiques publiques, eh bien voilà un exemple sous l'effet de la corruption. Ils ont décidé de modifier les conventions. On aurait eu ici plusieurs usines d'alumine et d'aluminium qui auraient employé, je dis bien, plus de 100 000 jeunes. Et ça aurait permis de lancer l'industrialisation de notre pays avec toutes les conséquences positives sur l'économie guinéenne et sur l'avenir de notre pays. Je vais revenir sur la mauvaise gouvernance. Nous avons l'avantage d'avoir au sein de l'opposition républicaine deux anciens ministres de M. Alpha Condé qui connaissent parfaitement comment les choses se passent. C'est lui qui décide de tout, d'attribuer les marchés de gré à gré. Makanera est là, Papa Koli est là. Le premier marché, gros marché, a attribué à une entreprise, Asperbras, 144 millions d'euros. Une petite entreprise qui n'avait ni les compétences techniques, ni la surface financière pour exécuter le contrat. Mais comme il y avait beaucoup de commissions, l'appel d'offres qui a été lancé a été annulé pour remettre, pour attribuer le marché à cette entreprise qui était soutenue par le cercle. Et l'argent a été distribué. On a annulé l'appel d'offres qui était
lancée. Incapable de livrer la centrale à l'échéance prévue dans le contrat, on a continué à payer, à accroître les avances, et l'argent a été distribué. Et lorsqu'on a renoncé, 3 ans après, aucune poursuite, aucune indemnisation, aucune pénalité n'a été réclamée par le gouvernement guinéen parce que l'argent avait été partagé. Après, c'est un autre marché de gré à gré, dans le secteur de l'électricité toujours. Pour Agrico, vous avez suivi Agrico, on a donné le marché à des amis qui sont allés chercher des Chinois. Et pardon, des entreprises qui ont livré à des prix qui ne correspondent pas à la valeur des prestations. Ça a aggravé les déficits au niveau de l'État et accru les subventions au secteur de l'électricité. Après, c'était K-Energie, où on achète à 3000 francs guinéens le kilowattheure, qui est facturé aux citoyens guinéens à 700 francs. La différence, c'est les contribuables qui payent et c'est des commissions qui sont distribuées. Et récemment, on attribue à quelqu'un d'autre 192 millions de dollars parce qu'il était proche d'Alpha Condé. On dit toi aussi, prends ce marché. La fourniture d'électricité est une bonne chose, mais il faut la fournir au bon prix pour que l'accès soit facile et que demain, ça ne creuse pas les déficits. Aujourd'hui, pour enrichir le clan, on dit qu'il y a l'électricité, mais on l'achète à quel prix? Et quel est le coût réel? Mais quelle est la part des commissions dans ce prix? Si nous payons, le clan s'enrichit, alors que les pauvres Guinéens n'arrivent pas à assurer les 2 repas par jour. Wokeli, il faut qu'on se mobilise pour marcher, exiger la transparence dans la gestion de notre économie, le respect de l'accord. Pour dénoncer l'insécurité galopante, pour dénoncer la cherté de la vie, parce que cette cherté de la vie est les conséquences de la mauvaise gestion, de la corruption généralisée et du détournement des deniers publics. Les ressources ne sont pas affectées là où elles devraient l'être. Il faut qu'on se mobilise. Et la marche, la première marche c'est le 2 août, la deuxième c'est le 9 août, la troisième c'est le 16 août. Il faut que Dibreka apporte sa contribution à cette mobilisation attendue, parce que le peuple de Guinée compte sur l'opposition républicaine pour amener Alpha à faire une gestion plus vertueuse, pour qu'il y ait moins de faim, pour qu'il y ait moins de chômage, pour que nos routes soient entretenues correctement, pour que les Guinéens soient unis autour des valeurs universelles de liberté, de justice et de paix. Il faut qu'on soit mobilisé pour dire halte à ce chômage. Ce n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de la corruption. Le clan s'enrichit, s'engraisse, alors que le peuple souffre de malnutrition, de faim, de sous-emploi, alors qu'on aurait pu affecter, utiliser plus judicieusement les ressources, les impôts que vous payez, que nous payons. Vous payez tous vos vignettes. Chaque fois que vous achetez un litre de carburant, vous payez de l'impôt. Il faut que cet impôt soit utilisé au profit de la collectivité et du développement de notre pays. C'est contre cette mauvaise gouvernance, cette absence de liberté. Comment expliquer qu'un gouvernement vous dise que pour faire une réunion dans votre propre maison, il faut demander le